Le Maghreb est toujours perçu par les Saoudiens comme les Roumains de seconde zone européen. Est-ce que le Maghreb est perçu par le Moyen-Orient comme des Arabes de seconde zone? En fait, le Maghreb est considéré, par exemple, les Saoudiens ont des palais au Maroc, vont passer leurs vacances. Ils ont des putes au Liban. Ils ont, mais aussi au Maroc, sont considérés comme des endroits, pour certains d'entre eux, qu'on peut acheter. C'est le cas du Maroc et de la Tunisie. L'Algérie, c'est plus compliqué parce que les Ça Algériens, reste un vrai pays, voilà, un vrai caractère. Ils se laissent pas acheter.